Oh, vous êtes là, vous les gens? Oh là là. Bon, je suis actuellement. Je nettoie le château du roi. Regardez, il est juste derrière. Je suis le roi. Il a vraiment de la chance d'être roi, lui, hein. Et là, actuellement, je suis en train de nettoyer la pièce du château, là, tranquille. Je vous avoue, c'est pas très amusant parce que bon, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux rien faire. Pff, regardez mes vêtements, quoi. J'ai froid, moi, vraiment ici. Bon. Là-bas. Hop, trop nul là. S'il avait pas ces deux chevaliers autour de lui là, j'en aurais collé une. Sous-fifre. Oui, roi. Oui, mon roi, qu'y a-t-il? Va nettoyer le cachot. Oh non, mais le cachot, il est dégueulasse, monsieur. Va! D'accord, j'y vais, roi. Oh, je suis obligé d'y aller parce que sinon il va s'énerver et je vais devoir faire passer une semaine au cachot. Bon, allez, c'est pas grave. Oh, j'arrive. Oh, ça pue ici. Je déteste être ici. Sincèrement, les gens. Bon. Allez, c'est parti. On va nettoyer. Oh, il y a encore un garde qui a laissé sa hache ici. Bon, allez, on va commencer à nettoyer. Qu'est-ce qu'il me veut? Eh, psst, j'ai quelque chose à te dire. Je suis pas sûr qu'il y ait... Attendez, je suis pas sûr j'ai le droit de... Bon, vous savez quoi? Ouais, salut chef, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un grand secret à te dire, que tu ne connais même pas. Bah oui, si c'est un secret, je suis pas censé le savoir, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc j'aimerais bien que tu me le dises, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce secret-là? Le roi que nous avons a volé le trône! Attends, comment ça... Attendez, quoi? De l'ancien roi. Attends, tu veux dire que le roi actuel qu'on a ne devrait pas être le roi de Brookhaven? C'est bien ça? Oui! Attendez, mais... Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ce qu'il raconte? Dis-moi, pourquoi tu... Mais comment ça se fait? Pourquoi tu me dis ça là comme ça et... Pourquoi tu... Je devrais savoir ça et... Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Il m'a mis en prison parce que justement je sais la vérité! Attendez, tu voulais dire qui... Attendez... Non... Ouais... Peut-être... J'ai du mal à te croire quand même. Eh hey, mais attends, reviens, mais... Oh, je devrais pas être censé lui parler, mais... Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ton truc là? Sincèrement, moi je sais pas si c'est vrai. Les gens, je sais pas si c'est vrai. Oh, là là là, je nettoie. Pourquoi les deux chevaliers sont là? Nous allons t'exécuter, viens ici, on va t'exécuter. Je connais la vérité. Hein? Mais... Quoi? Oh là là. Oh, ils ont même pas fermé. Attendez, les gens, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oh, j'espère que ça va bien aller pour lui, mais... Attends, je vais fermer la porte quand même. Mais... Les gens, c'est quand même très bizarre ce qui se passe là. Comment ça se fait qu'il se fasse tuer si... Si normalement le roi a rien à se reprocher, bah il s'en fiche de tuer cette personne. Pourquoi il va la tuer là? Oh les gens, ça me paraît très louche cette histoire. Il me dit peut-être la vérité et le roi qu'on a. Puis en plus, je suis le seul à le savoir maintenant qu'il est parti. Comment je vais faire? C'est bon les gens, j'ai trouvé une nouvelle raison de vie. Je vais enquêter pour savoir qui est le vrai roi de Brookhaven. Mais avant qu'on aille à cette aventure, j'ai quelques petites choses à vous dire. Pour Noël, je vais vous faire gagner 1000 Robux à tous qui regarderont cette vidéo. Bien évidemment, pour participer, c'est très simple. Il va falloir que tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo avec ton petit doigt. Et oui, ton petit doigt, fais attention parce que je vérifierai bien. Je donnerai les gagnants du concours le 24 décembre lors d'une vidéo très spéciale. Donc les gens, on se retrouve très vite. Bon, c'est parti. Par où commencer? Bon, vous savez quoi, je vais dire comme quoi j'ai fini de nettoyer le cachot et puis on va essayer de passer à autre chose. Allez, c'est parti. Bonjour, Soufifre, as-tu nettoyé le cachot? Oui, j'ai nettoyé le cachot et je l'ai d'ailleurs très très bien nettoyé. Oui, mon roi, j'ai nettoyé le cachot. Recule, microbe. Oh, pardon, excusez-moi. Bah, tu sais quoi, tu vas aller nettoyer la chambre du roi. Oh, c'est un honneur pour moi d'aller nettoyer votre chambre, mon roi. Bon, j'y vais tout de suite, je reviens. C'est bon, les gens. Bon, bah, au final, je vais aller dans sa chambre pour pouvoir nettoyer. J'espère quand même trouver quelques petits trucs dans... Bon, du coup, c'est peut-être cette chambre-là. Bon, attendez, je vais rentrer dedans. Ok, je suis dans la chambre du roi. Bon, maintenant, faut que j'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Y a pas des secrets par hasard, par là? Non, y a rien. Par là, peut-être? Non. Oh là là, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans cet endroit-là, juste ici? Je vais mettre... Non, il n'y a rien. Là, j'ai éteint la lumière. Bon, les gens, il va falloir que je trouve quelque chose dans cette chambre-là. Oh, l'équipe, j'ai tout retourné, toute la chambre, pour trouver quelque chose. Je vais regarder dans les livres. Oh, attendez, il y a quelque chose. Il y a un livre, là. Attendez, je vais le voir. Ok, dans la forêt de Brookhaven, vous pourrez retrouver la sorcière... qui pourra changer la mémoire de tout de toute une ville entière. Les tarifs sont payants. Retrouvez-moi. Vous pouvez me retrouver à cette... Oh, oh,
Bonjour mon roi. T'as fini de nettoyer ma chambre? Oui, j'étais en train de finir. Regardez, je suis en train de nettoyer le sol. Oh là là, en plus on a une très belle vue depuis votre chambre quand même. Hein. C'est plutôt très très joli, vous ne trouvez pas? Pourquoi tu stresses? Bah non, je stresse pas, c'est juste que vous êtes magnifiquement beau pour un grand roi de votre envergure. Du coup, quand je vous regarde, je suis tout émoustillé. Du coup, voilà, c'est pour ça, je vous trouvais juste magnifique et je suis impressionné par votre côté royal qui s'émane de vous. Bizarre, mais c'est vrai que je suis beau et je suis une beauté. Ah bah oui, si je vous le dis. Bon bah, j'ai fini de nettoyer votre chambre. Écoutez, mon cher roi, je vous laisse... Je dois retourner au champ du village pour pouvoir apporter à mes confrères du pain. Je reviens tout à l'heure. Au revoir, mon roi. Au revoir, sire. Ok. Pouf, bon, c'est bon, les gens. J'ai réussi à sortir enfin de ce malheureux château. Bon, maintenant, je vais devoir trouver cette sorcière. Bien sûr, ce livre, c'est dit comme quoi la sorcière se trouve dans la ville de Brookhaven. Non. La sorcière se trouve dans le village de Brookhaven. Oh mais comment je vais trouver ça là? Comment tout ça dans la forêt là? La forêt elle est gigantesque! Non mais regardez ça, elle est hyper grande! Regardez la taille des arbres! Oh de toute façon j'ai que ça à faire. Bon les gens, je vais à cette recherche et puis on espère que je vais trouver quelque chose et puis on verra bien. Allez c'est parti. Allez c'est bon les gens, j'ai réussi à trouver un cheval et du coup je suis en route pour aller justement trouver ce magicien. Alors on m'a dit qu'il se trouvait dans la forêt donc du coup ça peut pas être vérifié puisque là du coup on est en ville et on n'est pas dans la forêt. Mais apparemment de ce que je vois sur les écritures, il pourrait se trouver aussi à côté d'une colline pas loin d'un lac. Ok je vais aller chercher vers le lac Madison, il y aura peut-être quelque chose là-bas, vous en pensez quoi? On va y aller tout de suite. Hop, c'est bon, je crois que je sais arriver. Je vais laisser mon destrier ici, mais... Ah, où est-ce qu'il pourrait se trouver ce fameux magicien? Parce que là, je ne sais absolument pas. En plus, on est encore en ville, regardez, il y a des gens qui passent. Bon, vous savez quoi, je vais continuer de chercher. Là où l'eau s'arrête, un passage s'y retrouve. C'est quoi ces énigmes nulles, là? Bon, allez, attendez, je vais y aller tout de suite, mais... Bon, en vrai, ça se trouve... Bon, après, si ça se trouve, le livre dit absolument n'importe quoi. Mais bon, on va quand même vérifier. Oh, j'ai pas envie de me tremper. Oh non, je suis trempé! Bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, je m'en fous, j'ai même pas de vêtements. Bon. Ok, donc, par là... Non, pas par là, je pense pas qu'il y a quelque chose par ici. On va quand même... Ok, je sais pas du tout où je vais, là. Les gens, je suis arrivé dans un endroit, je ne connais absolument pas, je sais pas du tout ce que c'est. Oh non, regardez, il y a un cul-de-sac. Oh non, on peut pas s'arrêter. Wow, je crois que j'ai trouvé le magicien, les gens. Vite, je vais rentrer. Les gens, j'ai trouvé le magicien. C'est incroyable. Mais attendez, Ah, c'est bon, j'ai compris la porte. Bonjour, monsieur le magicien, c'est vous? C'est vous, monsieur le magicien? Bonjour. Bonjour à vous, c'est vrai, pardon, excusez-moi, bonjour. Oui, c'est moi. Ok, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes magicien? Donnez-moi une preuve que vous êtes magicien, parce que bon, là, y a rien. Vous voulez une preuve? Bah, je l'attends, ta preuve, je la veux bien, ta preuve, parce que là, excuse-moi, mais... J'ai... Wow! C'est quoi, ça? Wow! C'est vous qui avez fait apparaître ça? Wow, mais c'était incroyable! La magie, oui! Oh là là, la magie, c'est incroyable, quand même, hein. Ok, bon, vous êtes magicien, à ce que je vois. J'ai une question... pour vous, monsieur. Vous voyez le roi de Brookhaven actuellement, vous voyez? Oui, je le vois. J'avais comme question, est-ce qu'il vous aurait fait une commande il y aurait quelques années par hasard? Oui, regarde, tout ce tas d'argent, c'est ce qu'il m'a offert. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, vous êtes bien pour un... Ah oui, d'accord, vous êtes très très bien pour un magicien. Bah, justement, j'avais une question. C'est quoi qui vous a demandé à cette époque-là? C'est quoi qui vous avait demandé? Je ne devrais pas te le dire, toi. Je ne devrais pas te le dire. Bah... Allez, s'il vous plaît, monsieur le magicien, j'en ai besoin. J'ai vu un quelqu'un mourir parce que, justement, j'ai besoin de savoir. Vous êtes la seule piste que j'ai. Alors, s'il vous plaît, dites-moi. Son vœu était de modifier toutes les mémoires de Brookhaven. Attendez, comment ça, toutes les mémoires? Mais les mémoires, pourquoi? C'est bizarre, là, il nous a modifié la mémoire à tout le royaume. Les mémoires pour que tout le monde ne sache pas qu'il l'a tué. Attendez, quoi? Ça veut dire que le roi qu'on a actuellement n'est pas le vrai roi? Oh, mon Dieu! Mais c'était vrai, ce qu'il avait dit! C'était vrai, et il le savait, l'autre! L'ancien roi. Mais, du coup, c'était qui, l'ancien roi? Je peux savoir, c'était qui? C'était qui, l'ancien roi? Ton père? Hein? L'ancien roi de Brookhaven était mon père.
Attends, c'est ça que vous êtes littéralement en train de me dire que mon père était littéralement l'ancien roi de Brookhaven. Mais c'est incroyable, mais attendez. Mais ça veut dire qu'en gros, oui, c'est ça. Mais attendez, ça veut dire qu'en gros, quand mon père est mort, c'est moi qui aurais dû récupérer le trône, je me trompe? Attendez, je me suis fait voler mon trône? Je me suis fait voler la royauté? Oui. Mais, et vous dites rien? Et vous avez rien dit, vous avez rien fait et vous m'avez pas aidé? Excusez-moi, je devais avoir de l'argent. Pas lui en vouloir, en vrai, faut bien vivre dans la vie. Bon, écoute, tu sais quoi? Je te propose quelque chose, je te propose un marché. Tu sais quoi? Si tu m'aides à récupérer mon trône et que tu me remets la mémoire de tout le monde dans l'ordre, eh bah, je te donnerai au moins 6 fois ça, d'accord? Je te donnerai 6 fois ce nombre de billets. Est-ce que ça te va ou pas? Le 6, bien sûr! Bah, bien sûr que je te donne 6 fois le 4 cajots. Alors, bien sûr, bah écoute, va falloir m'aider maintenant, va falloir aller retourner, va falloir aller au château, hein. Allons-y, bah allez-y, je vous suis, monsieur. Bon, bah les gens, on va aller retourner au château. Par contre, je sais pas si le magicien, il a un plan, mais... on va voir ça, hein. Allez, c'est parti. Par contre, je sais absolument pas qu'est-ce qu'on va lui dire. Magicien, tu sais ce qu'on va lui dire ou pas? Non, je sais vraiment pas. Ah, bon, bah écoute, tu sais quoi, on va quand même aller voir et puis on verra bien. Dans tous les cas, tu sais quoi? Je vais lui dire en face ces choses. Boum, voilà, on ouvre la porte ici. Monsieur le roi! Monsieur le roi, Monsieur le roi, j'ai quelque chose à vous dire! Tout de suite! De très important avec ce magicien qui est ici présent! Quoi? Je sais la vérité, vous n'êtes pas le roi, vous avez tué mon père qui était le vrai roi et vous vous êtes procuré son trône. Ce trône qui devrait être mien maintenant. Oula, les chevaliers ils s'énervent un peu, recule le magicien. Donc là, ouais, tu fais du calme, je veux discuter avec le roi moi. M'en fiche, dans tous les cas, j'ai les gardes avec moi. Mais... oh là là, mon dieu. Non, attendez, stop. Roi, j'ai quelque chose à vous proposer. Attendez, laissez-moi, j'ai quelque chose à proposer au roi. Oui. Je vous propose quelque chose, laissez-moi passer. La chose que j'ai à vous proposer est très simple. Je vais affronter vos deux chevaliers dans n'importe quelle chose que vous voulez. Si je gagne, je récupère le trône. Et si vous gagnez, bah vous aurez le droit de m'exécuter. Voilà, voilà ce que je vous propose. Marché conclu. Oh, let's go les gens, ça a marché. Mais attendez, attendez les gens, oh là là, il est fou. C'est vrai, par contre, pourquoi je peux rien faire face aux chevaliers? Ils ont quand même des armes, ils sont quand même très très grands. Bah du coup, on commence quand? Oh là là, je suis dans le pétrole, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment je fais gagner là? Rendez-vous en haut du château pour commencer la première bataille! Ok, bon, les gens, je suis dans le caca. Littéralement, là, c'est le cas de le dire. Dites ciao à ta vie, de toute façon, t'as pas de chance de gagner, microbe. Chevalier numéro 1, entre en attaque. Oh, les gens, le chevalier numéro 1 va passer. Psst, je vais te donner de la poudre de perlimpinpin. Mais c'est quoi de la poudre de perlimpinpin? Et comment ça tu vas me filer de la poudre de perlimpinpin? Qui veut des Doritos? Eh mais va-t'en, on est en train de gérer notre truc, allez, psst, allez, dégage. Allez, parle. On s'en fout de tes Doritos. Bah attends, viens me donner ça, vite. Bon, du coup, c'est quoi ton truc, là? Vas-y, fais tes choses, là, donne-moi cette poudre, là. Ah la casam! Wow! Oh là 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 là, attendez quoi? Oh les gens, regardez comment je suis trop musclé, c'est incroyable! Mais attendez, mais le chevalier, je vais le broyer en deux! Ah là, je suis confiant, je vous remercie, monsieur le magicien. Bon, allez, venez avec moi, vite, je vais devoir aller me battre. Bon, oh, il commence à faire ses échauffements et tout. Bon, allez, j'y vais. Ok, bon, merci, je veux pas. Non, c'est bon, on veut pas de vos beignets. Allez, partez de l'arène, s'il vous plaît, nous allons nous battre. Bon, allez, hop, je prends mon épée. Haha! T'es mort, microbe! Je crois que c'est toi qui vas mourir. Le roi a dit 3. Ok. 2. Allez, je dois le faire. Pour mon père. 1. Ah, il a pas dit 1. Go! Allez, c'est parti! Tiens! Tiens! Hop! Hop! Allez, hop! Tiens, prends ça dans ta tronche! Hop, tiens! Oh, il esquive tout! Il est fort ce chevalier! Mais je vais gagner! Tiens! Tiens, tiens! Hop! Hop là, esquive! Hop! Tiens, tiens! Et tiens! Voilà! Dans ta tronche, toi! Haha! Let's go les gens, j'ai gagné contre le chevalier! Haha, je suis le plus fort! Ah bah j'ai eu de la chance parce que le tour de magie vient de partir. Bon, alors, oh mon dieu, d'une gourgandine, il l'a mis à terre! Non, mauviette! Haha, bah alors le roi, qu'est-ce que vous en pensez? T'as vu ça, magicien, ça a marché ton tour. J'ai pu le battre. Et là tu fais, oui mais méfie-toi, le deuxième chevalier est aussi fort. Oui, oui, super! Le deuxième va être plus fort! Je vous avoue, je sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien.
On passe à la deuxième épreuve. Oh là là, les gens, je vous retrouve. On a dû se déplacer, je sais pas ce qu'on va faire du tout, mais... du coup, le roi, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vous foncer dessus, et le premier qui tombe, il a perdu. Ok. Bon, ok, ok, ça marche. Bon, le chevalier numéro 1, on l'avait bien rétamé. Mais, ok, bon, bah, c'est parti, hein. Je suis prêt, hein. Ah, mais c'est trop facile. Arnaque. Mais comment ça? C'est toi qui vas gagner, t'es plus entraîné. Oh là 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 là. Allez, vous placez. On se place. Là, là, les gens, je sais pas du tout comment ça va se passer. Puis, en plus, Ah bah te voilà le magicien. Bon, allez vite, fais-moi ton tour de magie là. Vite, vite, ça va commencer là. Voilà Kazam. Wow. Ah c'est bon les gens, là je suis bien. Ah là on est bien, bon allez vas-y, remets-toi à ta place. Je sens que je vais le manger et je vais récupérer mon trône. Bon allez, à tout de suite. Bon les gens, je vais me placer sur mon truc. Hop, et je vais tout de suite le battre. À vos marques. Prêt, feu, partez. Allez les gens, c'est parti. Je vais le défoncer. Allez, go. Wow, wow. Ok, je crois que personne s'est touché. Ok, bon, on va devoir se faire. Allez. Bon, allez, c'est parti les gens. C'est mon moment. Et tiens. Hop là. Tchou. Oh. Oh, il est tombé. J'ai gagné, let's go. Les gens, j'ai gagné, let's go. Youhou. J'ai gagné, let's go le magicien. Ah mais les gens, c'est incroyable. Let's go les gens, on a gagné. Oh là 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 là, mais let's go monsieur le magicien, on a gagné, t'as gagné, je le savais, ouais, je le savais. Bon bah écoute, dès que j'ai ce qu'il faut, j'irai te donner tout cet argent, ça te va? Ok, ça marche, bah let's go, écoutez, hein. Bon bah je crois que j'ai pété la tronche aux deux chevaliers. Bon du coup le roi là, viens là ici, du coup, tu vas me donner ta couronne, tes vêtements, et tu vas me nettoyer mon sol, d'accord? Let's go les gens, je suis devenu roi, c'est incroyable. Je te sacre chevalier. Ah les gens, c'est incroyable. Bon les gens, je vous retrouve dans une petite semaine pour vous dire tous les changements. Ah là là les gens, je vous retrouve. Bon bah maintenant je suis devenu roi. Non mais regardez ces vêtements qui sont incroyables. Vraiment, dites-moi en commentaire comment vous me trouvez en tant que roi. Mais bon du coup me voilà. Je fais quoi monsieur le roi? Ah bah tiens regardez, du coup c'est celui qui m'a volé mon trône. Bah va nettoyer la cuisine tout de suite maintenant. Allez, plus vite que ça, allez allez. Allez, dépêche-toi, allez. Ah là 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 là. Et voilà, et justement, voici les deux chevaliers à qui j'ai pété la tronche, littéralement. Non, franchement, j'adore ma nouvelle vie de roi, et franchement, j'espère que vous êtes heureux pour moi. En tout cas, dites-moi en commentaire comment vous trouvez mes vêtements. En tout cas, moi, je les trouve vraiment incroyables.